Comment allez-vous? En forme? Ouais? Bon, j'espère bien. Donc moi je me présente, je m'appelle Christelle. C'est moi qui vais présenter la soirée ce soir. Donc c'est une nouvelle pour moi, donc je vous demande d'être indulgente avec moi. Et puis voilà, ça commence bien. Donc bienvenue à Soyons en tout cas. C'est ici que sont réunies ce soir les 14 candidates de notre belle région Poitou-Charentes. Elles font partie des plus belles femmes rondes de France et partagent toutes le même rêve, devenir votre Miss Ronde Poitou-Charentes. Sans plus attendre, je vais vous demander d'applaudir les 14 candidates de l'élection Miss Ronde Poitou-Charentes 2013. Numéro 14, Marie.
d'accord, que je vais vous présenter. Ce sont 8 membres du jury CE qui vont noter les filles, les 14 candidates derrière, d'accord, et qui vont élire la Miss Rhône Poitou-Charentes. Donc je vais vous présenter le jury, donc, qui est composé du président du jury, qui est Alexis, je vais te demander de te lever. Voilà. Alexis, qui est responsable du Téléthon au niveau de la commune de Vars. Ensuite, à côté de lui, on a Amélie, qui est Miss Rhône de Pays de la Loire en 2012. Ensuite, à sa gauche, nous avons Sandra, Soutif Action, la marque qui nous prête la lingerie et les maillots de bain. À côté, nous avons Olivier, son conjoint. Ensuite, à la deuxième table ici, nous avons une responsable de la commune de Soyaux, donc qui est élue à la mairie de Soyaux, qui représente le maire ce soir, Catherine. Ensuite, à côté, nous avons un non-professionnel, c'est Norbert, hein, tu peux te lever, qui travaille dans une entreprise sur Angoulême. Ensuite, nous avons Marie, qui est propriétaire d'une salle de danse sur Châtellerault, qui nous a été prêtée gracieusement à plusieurs reprises. Et enfin, nous avons Diamantino, qui représente la marque CTOL de cosmétiques, qui nous a offert des cadeaux pour les Miss et pour toutes les candidates. Donc on applaudit très très fort le jury. Et on va demander aux filles d'aller se préparer pour le prochain passage. Merci beaucoup, à tout à l'heure les filles. C'est applaudi très fort. Quand même, la Miss Rhône de Poitou-Charentes 2012, Anaïs, ainsi que ses deux dauphines, Camille et Lydie. Pour une réalisation teaser pour
l'élection nationale. Ensuite, j'ai participé au Téléthon, où j'ai rencontré des personnes extraordinaires et j'ai appris, enfin j'ai une belle leçon de vie. D'ailleurs, il y a Jérémy ce soir pour représenter la coordination. J'ai aussi participé, comme le disait Christelle, un défilé pour l'épicerie Rider à Ruffec. Et j'espère avoir aidé des personnes. J'ai participé à des salons, comme tu le disais, salon du mariage, et puis bah, j'ai rencontré les candidats 2013. Alors, un an est passé, et je ne les ai pas vu passer, c'est un an. Donc aujourd'hui, je tenais à remercier mon comité de m'avoir accompagnée et supportée durant toute cette année. Donc je remercie aussi ma première dauphine, Camille, qui a été formidable pendant toute cette année en tant que, bah, en tant que première dauphine, mais aussi en tant qu'amie. Je remercie aussi Lydie d'avoir pu participer au Téléthon, puisque le Téléthon, enfin, ça me tenait à cœur. Et puis je remercie aussi mes amis, ma famille et puis tous les proches qui m'ont suivi durant cette année. Je remercie la Miss Ronde Pays de la Loire, la Miss Ronde Limousin, qui sont aussi devenues des copines. Et je remercie tous les partenaires qui nous permettent de pouvoir réaliser cette soirée ce soir. Et pour finir, bah, j'espère que j'ai bien représenté mon rôle de Miss, enfin de femme ronde surtout. En tout cas, j'ai tout donné. Et puis, bah bref, j'ai été Miss, quoi. Merci Anaïs, merci. Bon, en tout cas, on les applaudit très fort. Alors maintenant, on va accueillir ces 14 candidates que vous attendez tellement impatiemment, qui vont défiler en tenue de ville. Donc en tenue de ville, ces tenues nous ont été prêtées par MS Mode, qui est aussi un partenaire national. Donc c'est en avant la musique. Big girl, you are beautiful. So what's my price? It's a mile and all the girls around.
faire en sorte aussi que les femmes rondes soient belles et bien dans leur peau et qu'elles assument leur rondeur, je crois qu'on a gagné ce soir, non? Donc maintenant, je vais demander au groupe de musique qui va venir faire une petite prestation. Donc je vais vous faire patienter quelques instants, on va demander au groupe de musique de venir, c'est le moment. Donc c'est le groupe Nomistique qui nous vient de Rouen quand même, qui sont venus gracieusement ici. On a une chanteuse qui a une voix en or et un guitariste, donc je vous demande de leur faire un accueil chaleureux, leur laisser quelques minutes le temps d'installer le matériel. No.
como si nada, como si nada, la quiera mourir. Ella para las olas del canario y me ayuda a pintar transparente el dolor con su sonrisa. Y la venta thank you.
qui vont défiler. On les applaudit très fort. Un énorme mystique à retenir. À tout à l'heure. On les applaudit encore. Avec une chorégraphie signée Jasmine de Fali. Elle porte, on l'applaudit très fort, j'ai notre chorégraphe quand même. Hein. Elle porte des maillots de bain de chez Soutifaction. Et en avant! Yeah.
etc. Et puis on revient d'ici une demi-heure pour la suite du spectacle. Merci. Est-ce que tout se passe bien, ça va? Ouais? Bon, parfait. Alors, attention messieurs, préparez-vous à un moment de sensualité et de séduction. Nos 14 candidates vont vous présenter des nuisettes et des guêpières, signées sous diffaction, avec une mise en scène très travaillée. Elles vont aussi porter des colliers de chez Adenaïs, et Ludivine, qui fait aussi des colliers pour le deuxième groupe. D'accord? Les filles, pour info, sont en partie coiffées par Saint-Algue, qui est notre partenaire au niveau de la région. Et aussi, ils sont coiffées par Ludivine, une coiffeuse qui est venue nous prêter main forte. Donc on les applaudit très fort et on les remercie. Donc attention! J'ai dit attention messieurs, mais je vais dire aussi attention mesdames. Pourquoi? Parce qu'on a des charmants jeunes hommes qui vous attendent derrière. Attention, c'est parti! Yeah.
Allez, en avant la musique. Fan d'Adèle ? Together at Skyfall.
Baby, I'm not
Formidable.
tout au long de la journée, tout au long de cette belle aventure. Donc, on accueille ces filles. Vous êtes prêts? Je vais vous faire une ovation. Allez, en avant! Poitou-Charentes et exposer nos motivations. En ce qui me concerne,
En ce qui me concerne, le chemin de l'acceptation a été long et difficile. Il m'aura fallu 26 ans pour comprendre que j'étais belle et que le fait d'être ronde n'enlevait rien à mon charme. Aujourd'hui, nous voulons une visibilité au même titre que les femmes minces. Mon but n'est pas de faire l'apologie des formes au détriment des femmes minces, bien sûr, mais simplement de montrer que toutes formes de beauté ont leur place dans la société. Mes rondeurs sont mes atouts, et j'en suis fière. Et comme dirait la comédienne Claudia Tagbo, pourquoi prendre un Mister Prize quand on peut avoir un Gandalf? Bonsoir à tous, je m'appelle Dilia, j'ai 36 ans et je vis à Lille-des-Pagnac. Si je suis là ce soir devant vous, c'est pour... Excusez-moi. C'est pour que cessent les préjugés sur la femme ronde. Excusez-moi. Le trou... Excusez-moi. Donc que les préjugés cessent sur la femme ronde parce qu'elle est très très belle. Et en fait, je voudrais qu'on arrête de voir ces rondeurs comme des choses négatives, mais plutôt comme des choses positives, parce que je trouve que ce sont nos différences qui font de nous des êtres uniques. Pour ma part, je suis très fière aujourd'hui de mes rondeurs, ça n'a pas toujours été le cas, parce que je me suis rendu compte qu'elles représentent les plus beaux bonheurs de ma vie. Alors par ici, vous avez mes trois merveilleuses filles, Louléa, Mélise et Esméa. Par ici, je crois, vous avez mon arrêt du tabac il y a 3 ans. Et tout le reste de mes rondeurs, c'est mon épicurisme, le plaisir de la vie, des bons moments partagés en famille ou entre amis. Donc je voudrais aider un maximum de femmes à se sentir bien dans leur peau comme moi. Donc pour ce faire, ce soir, je vous offre ce qu'il y a de mieux chez moi. Alors les défauts, je les laisse à la maison, ne vous inquiétez pas. Donc je vous offre ma bonne humeur à toute épreuve, mon sens de l'humour et mon sérieux, ce qu'il faut un petit peu des deux. Je vous offre ma féminité, ma sincérité, parce que je sais qu'on n'est pas là pour rigoler non plus. Pas toujours. Je vous offre ma maturité, mon expérience en tant que doyenne de l'aventure. Écoutez-moi. Je vous offre ma tolérance et ma bienveillance parce que j'aime les gens et je les accepte comme ils sont. Je vous offre mon perfectionnisme et mon originalité, ça j'y tiens absolument. Comme par exemple ce soir j'ai tenu à me peindre sur les ongles ce que j'aime le plus, vous voyez peut-être pas très bien, mais je sais qu'aucune autre fille n'aura les mêmes ongles que moi. Et enfin je vous offre ma très grande humilité. Et pour finir, sachez que chez moi tout est naturel. Je ne fume pas, je ne bois pas, mais j'aime la vie et le chocolat. Merci, Lilia. Et numéro 5, Claire Vie, on l'applaudit très fort. Donc bonsoir, je m'appelle Claire Vie, j'ai 25 ans, je viens de Poitiers dans la Vienne. Donc actuellement, je suis surveillante en collège et en lycée. Donc si je suis ici ce soir, c'est avant tout aussi pour un rêve de petite fille, mais surtout pour défendre la cause des femmes rondes, pour mettre fin aux clichés et aux préjugés, parce que ce soir, on l'a tous vu, on peut être ronde et belle. Donc vu que je travaille avec les ados, pour moi c'est important de leur donner une bonne image, de leur montrer qu'il n'y a pas qu'une seule beauté, qu'une seule façon de s'habiller, qu'on peut être ronde et belle. Donc si je suis élue, j'ai conscience de ce que le titre représente, qu'il va falloir se battre encore. Et puis, ce qui paraît, j'ai de la chance, les couronnes me vont bien. Et donc, pour finir, je dirais tout simplement que je suis bien dans ma peau parce qu'elle est juste à ma taille. Deuxième groupe, en avant.
tour avec notre amie Adélaïde dans le numéro 6. Bonsoir à tous et à toutes, je m'appelle Adélaïde, j'ai 22 ans, je viens de Charente-Maritime. Quand j'ai décidé de m'inscrire à ce concours, c'était premièrement un rêve de petite fille de faire un concours de beauté. Et ensuite, c'est aussi pour montrer qu'on peut être ronde et qu'on peut aussi être belle et sexy. Que malgré les préjugés, on peut toujours s'assumer. Et moi, je me suis toujours assumée telle que je suis. Je suis quelqu'un de très dynamique et je ne me laisserai jamais marcher sur les pieds parce que je suis ronde. Donc maintenant, je suis là pour défendre la bonne cause et pour pouvoir aller plus loin, représenter la femme ronde pour n'importe quelle cause. Parce que je trouve qu'à l'heure actuelle, on ne parle pas assez d'elle et c'est quelqu'un qui est mis de côté. Voilà, donc moi je m'appelle Adélaïde et je vous souhaite de passer à tous une bonne soirée. Bravo Adélaïde. Numéro 7, Marjorie. On applaudit là. Bonsoir mesdames et messieurs, je me présente. Je m'appelle Marjorie Flamand, j'ai 24 ans. J'habite dans une petite commune des Deux-Sèvres, tout près de Thouars. Je travaille dans un EHPAD depuis quelques années, en tant que personnel soignant. Ce qui me plaît me convient parfaitement. Si je suis parmi vous ce soir, c'est pour arrêter les gens qu'on peut être ronde et réussir dans la vie professionnelle et affective. Telle est ma devise ce soir, comme on dit souvent, rondeur assumée, bonheur assuré. Numéro 8, Sabrina. On l'applaudit très fort. Bonsoir à tous, je m'appelle Sabrina, j'ai 29 ans, je viens de Poitiers, dans le département 86. Et je suis aussi née à Cognac, donc je voulais faire un petit clin d'œil ce soir aux Charentais. Autrement dans la vie, je suis auxiliaire de puériculture en crèche, donc j'aime beaucoup mon métier, je ne serais pas vue faire autre chose. Et autrement, ce soir en fait, les gens disent de moi souvent que je suis une gourmande de la vie. Et à ma manière, ce soir, je voulais me présenter à vous en fait sous la forme d'un cocktail. Donc dans mon shaker, je mets plein de doses de bonne humeur, du dynamisme, une petite touche de finemise. Après, je mets beaucoup d'humour et sans oublier, bien sûr, la grosse poignée de gourmandise. Et là, je vous propose le cocktail Sabrina. Bonne soirée. Numéro 9, Aurélia. Bonsoir, je m'appelle Aurélia, j'ai 27 ans. Moi, j'avais préparé tout un petit discours. Je voulais casser la mode, mais non, en fait, je vais changer mon discours et je vais lui dire, je sais qu'il n'est pas là, mais je vais lui dire, regarde, je l'ai fait jusqu'au bout et j'assume mes rondeurs. On applaudit. Numéro 10, Astrid. Bonsoir à tous, je m'appelle Astrid Akem, j'ai 21 ans. J'habite Poitiers, dans la Vienne. Je suis actuellement en deuxième année de BTS assistante de gestion que je réalise en alternance. Si ce soir je suis parmi vous, c'est pour vous montrer qu'on est ronde. Magnifique. Je me suis jamais sentie différente des autres. Je me suis toujours assumée comme j'étais. Malheureusement, mon quotidien me rappelle tous les jours que je suis ronde. Quand je prends les transports en commun et qu'on est deux rondes assises l'une à côté de l'autre, il y en a forcément une qui a les fesses dans le vide. Comme cinéma, vu que j'ai les hanches un peu rondes, forcément je loge un peu juste dans le siège. Donc voilà, j'ai pas de baguette magique et je pense que je pourrais pas changer les choses. Mais ce soir, si ce soir je suis couronnée, j'aimerais continuer ce combat qui est de lutter contre la différence. Et on est peut-être toutes rondes ce soir, mais on est toutes belles à l'intérieur comme à l'extérieur. Les piles étaient à plat.
là, comme moi un peu. Un petit peu ça là. On a fait le dernier groupe? Allez, on fait une ovation, on y va. D'ailleurs, pour moi, l'aventure a commencé quand je suis tombée par hasard sur la page web du comité. Je me suis dit, pourquoi pas moi? Pourquoi pas représenter la femme ronde qui s'assume? Être un exemple pour les personnes qui sont complexées et qui ont peur de montrer leur forme. Donc, je dis stop au complexe, je m'assume. Merci à tous. Kamsahamnida. Numéro 12, Natacha. Bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Natacha, j'ai 34 ans. Oui, vous savez, ça se voit pas. Donc, je viens de Montoiron. Donc, ceux qui connaissent pas, c'est entre Châtellerault et Poitiers dans la Vienne. En fait, au début, si j'ai fait cette aventure, c'est pas du tout en fait, pour les mêmes raisons que les autres. Parce que j'ai jamais eu de problème avec les rondeurs. Et le regard des autres, en fait, je ne le voyais pas parce que je m'emportais complètement. Et c'est en faisant cette aventure que je me suis rendu compte que finalement, le regard des autres, pour certaines, était très important et qu'il pouvait vraiment blesser certaines. Et ça m'a fait vraiment bizarre. Et aussi, le début de l'aventure, je l'ai commencé en faisant plaisir à ma cousine parce que ça faisait 2 ans qu'elle me demandait de participer à l'élection et que je ne voulais pas. Et puis bah, finalement, je me suis lancée. Et ça me permet aussi de connaître un petit peu le monde des rondes. Et aussi, comme mon projet l'année prochaine, c'est de faire la vente à domicile de lingerie pour bonnet profond, donc lingerie très féminine. Donc je me suis dit, ça peut être une occasion aussi pour ça. Bah, je vous remercie de m'avoir écouté pour ne pas être partie par les sorties de secours. Donc bonsoir, bonne fin de soirée à tout le monde. Merci. Maintenant, on accueille Marina, numéro 13. Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Marina, j'ai 25 ans et je représente le département des Deux-Sèvres. Si je suis là devant vous ce soir, c'est pour représenter la femme ronde, telle que je suis. On prend tout, on prend rien. Je voulais aussi remercier le comité sans qui aujourd'hui je ne serais pas là. Ça a été une très belle aventure, vous nous avez soutenus, vous avez été là, les candidates, c'est pareil.
On a vécu une belle aventure. J'ai dit que tu pleurais pas. Je suis bien aussi d'être là devant ma famille ce soir. Et quoi qu'il arrive, j'ai vécu une très belle aventure et je repartirai gagnante. Quoi qu'il arrive. Et la dernière, c'est pas la meilleure place non plus, hein, parce qu'avec tous les discos, on accueille Marine. On applaudit très fort, Marine. Bonsoir à tous et à toutes. Donc, je m'appelle Marine, j'ai 20 ans, j'habite à Pouillé, dans la Vienne. Donc, je représente la Vienne pour cette élection. Je suis étudiante en première année à l'école d'infirmière de Poitiers. Et j'ai fait ce concours parce que j'aimais bien la mode et avec une amie on s'est lancé. Donc voilà, me voici seule maintenant parce qu'elle n'a pas, elle n'est pas restée. Et voilà, je vais pas faire comme Marina mais presque. Et je voulais surtout aussi remercier tout le monde, pas que le comité, les partenaires, tous les remerciements qui seront faits à la fin je suppose. Et dire bonne chance à toutes parce qu'on a toute notre chance. C'est le moment. Du coup, vous allez avoir un petit entracte. Coucou! On va avoir un petit entracte, donc le temps que le jury délibère. Vous avez vu, j'ai tombé les chaussures. Ben, moi aussi, je suis ronde et je peux plus là. Je suis désolée, je ne peux plus. Je sais, c'est pas professionnel, mais j'ai trop mal aux pieds. Bon, je vous dis à tout à l'heure. Et n'oubliez pas, les filles sont là, elles vont repartir, elles reviendront tout à l'heure pour les résultats du jury. Et n'oubliez pas qu'après, nous faisons une petite soirée dansante. D'accord? Donc ceux qui veulent rester, n'hésitez pas à danser avec les Miss, avec les candidates. On fera un petit peu la fête, ça va être sympa. À tout à l'heure! Un, deux, un. Est-ce que tout va bien? Ça y est, le jury est là, c'est bon signe. Ça veut dire qu'ils ont réussi à se mettre d'accord. Apparemment, ça a été long. Donc la dernière, j'ai les 14 candidates. Je ne vous dis pas comme elles sont stressées. Elles attendent avec impatience, mais on va faire durer le suspense quand même. Hein. Oh si. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? On ouvre ou on n'ouvre pas? Alors on ouvre le rideau. On les applaudit très fort, hein. Elles sont très stressées, donc on les applaudit. C'est pas bien. Je fallait que je remercie ces charmants jeunes hommes quand même, parce que c'est pas évident de venir défiler. Donc je vais les appeler un par un et je compte sur vous pour leur faire une ovation. Donc je vais commencer par Romain, on l'applaudit très fort. Après je vais appeler Axel.
enfin, il y a Samuel. Et il y a encore Samuel. Donc on les remercie beaucoup parce que ce qu'ils ont fait, c'est pas évident et ils ont été parfaits. Parfait. Parfait. Donc maintenant. Je vais appeler la présidente du comité Miss Rente Poitou-Charentes qui va venir vous dire quelques mots. On l'applaudit très fort, Vanessa. Alors déjà, je suis pas très douée pour les discours, mais bon, c'est mon rôle, il paraît, donc je le fais. Je tenais à remercier ces 14 jolies femmes pour leur aventure. Chaque année, c'est un bonheur de faire les préparatifs afin qu'elles puissent vous donner cette élection magnifique. Pour moi, ce soir, elles ont toutes gagné. Ce sont mes princesses 2013. Elles rajoutent des étoiles dans mes yeux et de la chaleur dans mon cœur. Mais je tenais aussi à remercier mes Miss 2012 qui m'ont fait vivre des moments merveilleux et m'ont permis de garder des souvenirs plein la tête. Et aussi les personnes qui nous ont gentiment conviés lors de différentes manifestations, le Téléthon, le Haïder, les salons du mariage qui ont convié les Miss, les Dauphines. Merci à vous. Pour ce soir, je tenais à remercier Miss Mode pour les tenues de ville, les tenues de satisfaction pour la tenue de lingerie et de maillot de bain. Aussi la boutique Layla pour les tenues de soirée. Et aussi Adénaïs et Ludivine pour les bijoux magnifiques. Et aussi, sans qui toute cette mise en scène ne serait pas possible, Jasmine, je vous demande de l'applaudir parce que le travail qu'elle a fait, c'est énorme. Mais aussi les salons de coiffure Saint-Al qui ont accueilli les filles, Ludivine qui était présente ici pour les coiffer aussi, Héloïse, Marlène et Elodie pour le maquillage, Gourmandise de fleurs pour les bouquets des Miss, mais aussi la mairie de Soyeux pour le bouquet de la Miss. C'était Well pour les cadeaux des Miss. Pour les magnifiques photos, merci beaucoup à DS Souchon, je sais pas où il est, je vois rien avec la lumière. Pardon. Présents ce soir et qui ont permis aussi de déstresser un peu la journée. Ils nous ont fait nos sandwichs, c'est des bons gars. S'il y en a des célibataires, faut prendre leurs heures aussi. Alors je vais Bon, du coup, ils ont déjà été. Il y a Samuel, Charlie, Fred et Romain et Axel. Mais aussi nos bénévoles qui ont été là journée depuis tôt ce matin, Elodie, Séverine, Angélique que vous avez pu voir à la buvette, les trois filles dégueulées à la buvette, Cyril et Pascal qui nous ont installé tout le son et les rétroprojecteurs, un grand merci à eux parce que ça a été beaucoup de boulot, et aussi Benjamin qui nous a suivis tout le long de l'aventure, donc c'est un photographe amateur qui commence juste et du coup il s'est investi dans le comité, on veut l'encourager. Du coup, il nous a suivis tout le long de cette aventure. Je vous demande de l'applaudir, s'il vous plaît. Mais aussi, les 8 membres du jury qui nous ont enlevé quand même une épine du pied parce qu'on n'a pas eu à départager les filles. On s'est un peu déchargé de ça parce que pour nous, ça aurait été horrible. C'est même pas possible. Donc, on le fait faire aux autres. Je suis désolée. Et pour finir, je voulais dire un grand merci à mes deux bras droits, sans qui cette aventure ne serait pas possible. Lydia et Christelle, qui m'ont beaucoup aidé et soutenu durant cette aventure. Je vous demande de les applaudir, s'il vous plaît. Ah, pardon.
maintenant, je vais laisser la parole à Alexis, qui est président du jury, afin de connaître le résultat. Et pour ça, je vais aussi appeler nos Miss 2012, Anaïs, Camille et Lydie. S'il vous plaît, applaudissez-les. Ah, alors attendez, juste une petite seconde, j'ai oublié de donner la parole à mes bras droits. Lydia, pardon. Bonsoir, je ne vais pas recommencer tous les remerciements puisqu'ils ont déjà été faits, même si c'est grâce à tous ces partenaires qu'on a pu réussir à faire cette élection. Mais je voulais juste remercier une dernière fois toutes nos candidates, sans qui ce concours ne pourrait pas exister. Elles sont toutes belles, rondes, et je souhaite que chacune d'entre elles ne doute jamais de sa féminité, parce que ce soir elles nous ont montré qu'elles étaient très féminines et très belles. Et je voulais aussi vous dire à vous, public, merci d'être venu ce soir, car c'est aussi grâce à vous que les mentalités changent. Voilà. J'ai préparé les remerciements, mais du coup, on va pas remettre une couche. Hein. Merci à tout le monde. Bon, c'est le moment. Aïe, aïe, aïe. J'en connais qui attendent avec impatience. Donc, on va accueillir le président du jury, Alexis, responsable du Téléthon de Var, si on l'applaudit très fort. Donc c'est Alexis qui va nous donner les résultats au fur et à mesure. Alors donc, la troisième dauphine, Miss Ronde Poitou-Charentes 2013, et la troisième dauphine, Miss Ronde Poitou-Charentes, et Delia. C'est le grand moment. Qui va être votre Miss ? Moi.
Charente 2013 et... À l'unanimité, Astrid. Astrid. Dans la beauté aussi. Alors là, ça sera de la boum.
pour mettre au long de la journée. C'est dommage que ce n'était pas déjà aujourd'hui, hein, parce que vous avez eu besoin. Voilà, et vous avez aussi un soin de visage gratuit. Donc après, il faut me téléphoner pour qu'on se donne rendez-vous. Voilà, donc... Hein. Thank you.